galerie photographique, je l'ai commencé l'année dernière avec des copines. C'était pour un tout autre projet et je leur demandais en fait de poser pour moi individuellement dans l'espace public de nuit. Et sur toutes les photos que j'ai prises au tout début, j'ai pu remarquer qu'elles avaient toutes la même posture, le même regard puissant et une sorte de fierté d'être prise en photo dehors, non sexualisée, de manière simple et authentique. Et j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux de femmes qui souhaitaient participer à cette série photographique. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant que je photographie des femmes en Île-de-France, donc à Paris, en banlieue. Donc là, c'est ma première exposition libre en plein air pour ma série photographique « Women are not afraid ». C'est une série photo qui met en perspective la légitimité des femmes à prendre l'espace public, à sortir librement dans la rue. Face au harcèlement sexiste et sexuel, qui est une violence systémique que nous subissons partout, à partir du moment où nous sortons, dans les transports, dans la rue, dans les espaces partagés publics. Ma série est composée d'une centaine de portraits individuels, de plusieurs photos de groupe, et on peut voir donc, sur les portraits individuels des femmes en posture puissante, avec un regard déterminé. Avec cette série, je casse aussi les codes standards des photographies de femmes. Donc des photographies qu'on a l'habitude de voir avec des postures hyper sexualisées, des femmes qui ne sont pas stables. Là, c'est tout le contraire que je demande à mes modèles, de se poser stablement face à l'objectif et d'exprimer un regard puissant et fort avec toujours la pensée de « je reprends l'espace public de manière légitime, j'ai le droit, j'ai la liberté de circuler librement dehors ». Les toutes premières, elles y sont pas forcément. Celle-là, elle fait partie des premières.